Maman, j'ai fini de manger. Irelua, mange absolument tout. Ok, tu sais, maman n'aime pas qu'on gaspille la nourriture. Ne laisse aucune miette de pain traîner dans ton assiette. Mais maman, je suis vraiment rassasiée maintenant. Ça, ce n'est pas mon problème. Tu as demandé 3 morceaux de pain, tu te débrouilles pour les finir. La prochaine fois, il faut demander ce que tu peux finir de manger. Allez, tu ferais mieux de finir. Écoute, Irelua, je n'ai pas le temps pour tes caprices ce matin. Ne m'énerve pas. Chérie, bonjour. Bonjour, bébé. Comment vas-tu? Tu es très bien habillée ce matin. Oh, merci, mon amour. C'est la grâce bonjour, de papa. Dieu. Bonjour, mon petit cœur. Comment tu vas, ma princesse? Tu es prête pour l'école? Détends-toi, chérie. Tout ira bien. Ok, tu dis tout ça parce que tu es ma femme. Sinon, le contraire m'aurait étonné. Ok, j'espère que tout ira bien. Que fais-tu comme ça? Tu ne vas pas prendre ton petit déj? Oh non, chérie, il faut que je file. Ok, une autre fois. Ok, ok. Attends un peu, j'arrive. Non, 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 non. Faut bien que je parte. Ok? Je m'en vais. Au revoir. D'accord. Eh bien, bonne chance. Tu le mérites, c'est sûr. Eh bien, c'est entre moi et M. Efong, donc ce n'est pas facile. Tu l'auras. Amen. Allez, dis au revoir à maman. Bye. Au revoir. Oh, petite fille têtue. Noyen, tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Finalement, j'ai découvert le code du téléphone d'Emerald. Ah! Ne me dis pas que tes soupçons se sont avérés exacts. 2 filles. Wow. L'une d'entre elles est à l'université. Wow. Et l'autre, je ne sais pas trop où elle se trouve. Et alors? Que comptes-tu faire, Francesca? Qu'est-ce que je peux y faire, Noye? Ah! C'est difficile de le confronter, parce que la première question qu'il va me poser, c'est comment as-tu eu accès à mon téléphone? N'oublie pas que son téléphone a un mot de passe. J'ai vraiment eu de la chance. Wow, je suis vraiment désolée, Francesca. Je n'y crois pas. Cela fait au moins 10 ans que nous sommes mariés. Nous avons 4 enfants. Et je ne suis plus toute jeune comme avant. Hein? Après toutes ces années, devine un peu. Noye, ces filles-là passent leur temps à envoyer des photos à mon mari. Tu es sérieuse, là? Wow. Regarde le genre de téléphone que j'ai. Ça fait combien de temps que je le supplie pour qu'il change mon téléphone? Imagine un peu le genre de téléphone qu'il achète pour ses copines. iPhone 7. iPhone 7, sérieux? En plus, j'ai soldé l'école des enfants. Parce qu'il m'a fait croire qu'il n'avait pas d'argent. Et ceci, blablabla. Bla bla bla. Mais il a assez d'argent pour acheter tout ce que ses filles lui demandent. Et... quand est-ce que les hommes seront-ils disciplinés dans leur relation conjugale? Et... peut-être que j'aurais dû épouser un Yoruba comme toi. Francesca, ça n'a rien à voir du tout avec la tribu. Mais plutôt une question de... d'éducation familiale et de choix personnel. Alors, crois-moi, ce n'est pas du tout de ta faute. Écoute, pourquoi ne pas... pourquoi ne pas faire comme moi en faisant de la gymnastique tout le temps? Pardon? Non, 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 non. Après 4 enfants, ma nièce, je n'ai pas le temps et l'énergie pour ça. D'accord. Ok. Mais est-ce que tu peux arrêter de manger tout ce que tu as sous la main? Noye? Quoi? Ne m'énerve pas. Plus tu en parles, plus je deviens encore furieuse. Ok. C'est ton problème. Hein? À propos de la promotion de Victor. Tu sais quoi? Je ne veux pas en parler à tout le monde pour ne pas que... qu'il y ait un blocage, tu vois? Oh. Donc, c'est moi qui suis devenue le blocage. Oh non, Francesca. Ce n'est pas ce que je veux dire. Comme tu veux, ma chère. Timothée, s'il te plaît, envoie-moi une grosse bouteille de... liqueur. Fais vite. Une grosse bouteille. C'est pas vrai. Après tout ce que je viens de te dire, tu veux encore une grosse bouteille de liqueur? S'il te plaît, dépêche-toi un peu. Je meurs de soif. Eh bien, c'est à cause de la nourriture. Ça fait des heures que je te parle, mais tu ne m'écoutes pas. C'est à cause de la nourriture. Comme je te l'ai dit, alors laisse-moi manger. Tu es devenue trop grosse. Arrête. Je pensais que tu étais au régime, non? C'est moi qui veux devenir la montagne. Alors laisse-moi manger. Apporte-moi la bouteille de liqueur. Bonsoir à tous.
J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes là pour distinguer M. Ifong et M. Adebamowo pour l'excellent travail que vous avez abattu dans ces derniers temps. Merci, monsieur. Et c'est pour cette raison que l'entreprise a connu du succès. Comme vous le savez, nous avons connu des périodes très, très difficiles. Et ça a été une expérience enrichissante pour chacun d'entre nous ici. Grâce à ces deux merveilleuses personnes qui sont en fait de grands leaders. Cependant, il n'y a qu'un seul poste d'associé principal. Et il y a beaucoup de privilèges et d'honneurs attachés à ce poste. Cela nécessite un déménagement, mais aussi une voiture de service toute neuve avec un bon de carburant, une nouvelle maison et une importante augmentation de salaire. Monsieur Adebamowo, je vous en prie. Toutes mes félicitations. Ah! Vous êtes promu au poste d'associé principal. Mais merci beaucoup, monsieur. Bravo, vous le méritez. Bravo. Ah, ah oui, ah. Merci. Ça sera toi la prochaine fois. Il était une fois une petite fille appelée Cendrillon. Quoi, Cendrillon? Ah, oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Alors arrête de jouer l'inquisitrice et écoute bien l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, inquisitrice? Ah, inquisitrice. Inquisitrice veut dire curieuse, ok? Continuons. Cendrillon vivait avec sa belle-mère, qui était très mauvaise avec elle, tu vois? Et aussi avec ses deux vilaines demi-sœurs. Tu comprends déjà ce que je dis? Ah, elle la maltraitait beaucoup. Mais un jour, le roi les invita à un très grand banquet qu'il organisa au palais. Mais la méchante belle-mère de Cendrillon lui interdit de se rendre sans détour chez le roi. Salut! Tweet. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Comment ça va, mon amour? Viens, comment viens, ça a viens. Été? Tu sais quoi? Apprête-toi, mets tes plus beaux habits, nous allons dîner dans un restaurant. Mais chérie, il n'est que 8 heures. Quoi? Et alors? C'est le week-end! Ah, ok. Tu as eu ta promotion? Tu l'as eu? Oh, c'est super! Bravo, bébé! Tu as finalement exaucé nos prières, tu vois? C'est tellement super! Tu sais quoi, bébé? C'est grâce à nos efforts conjugués. Toi et tu moi. Merci. Alors, merci beaucoup. Viens là, mon mari. Approche. Chérie, allez, debout, debout. Va vite t'habiller, dépêche-toi. Je allez, pense que allez, tu dois l'aider. Ok, on y va, on se dépêche. Où sont encore passés ces domestiques? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu nettoies avec ceci? Je vais rincer. Mais c'est pas sérieux, ça. Regarde-moi ça. Il y a de la boue partout alors que tu es en train de nettoyer. Et mais madame, désolé, toi. Désolé. Je suis désolé, madame. Tu es tout le temps désolé. J'en ai marre de tout ça. Doucement. Salut. Salut. Bonsoir. Oh, comment puis-je vous aider? Oh, est-ce que tu peux m'aider? Eh bien, oui. C'est intéressant. Je peux déduire déjà votre attitude superficielle et frivole parce que vous n'êtes pas informée sur moi. Madame, je suis Madame Zoé Wangkwor, propriétaire de ce local, donc. En fait, le bâtiment appartient à mon mari. Nous en avons plusieurs, dont certains à Ikoyi, même deux à Adja. 5 à Mainland, ainsi de suite. C'est pourquoi je suis surprise que vous ne me connaissiez pas. Ok. Écoutez, je suis désolée. Je croyais qu'on aurait dû commencer par les présentations à proprement dit, avant de parler d'autre chose. J'espère qu'il n'y a pas de problème de loyer parce que mon mari a déjà tout payé. Je le sais. Que puis-je faire d'autre pour vous aider? Oh, rien. Tu me plais. Tiens, je t'invite à prendre du thé avec moi. Demain. C'est bien compris. Bye.
Hey! Elle est drôle, cette dame. Allez, pousse-toi que je passe. C'est pas croyable. Je n'arrive pas du tout à comprendre ces gens-là. Pour qui ils se prennent? Tu t'imagines un peu? Voilà une femme qui est apparue de nulle part et elle s'attend à ce que moi je la reconnaisse. Ah. Elle a dit, tu sais, je peux déduire de ton attitude superficielle ou frivole. Écoute la suite. Tu ne t'es pas bien informé sur ma personnalité. Doucement, doucement. Ensuite, elle me donne sa carte de visite et me demande de l'appeler. C'est pas fini, attends un peu. Et là, elle m'invite à prendre du thé. Tu t'imagines? Elle se croit à Londres ou quoi pour inviter les gens à prendre du thé, hein? Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que tu l'as appelée? Bien sûr que oui, puisque c'est elle. Oh, elle t'a menti. Ce local appartient à son mari. D'accord. De toutes les façons, j'ai jugé bon de me lier d'amitié avec elle. D'accord, chérie, s'il te plaît, fais attention. Tu sais que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, je le sais. D'ailleurs, c'est pas une amitié pour toute la vie. C'est juste pour les relations futures. On sait jamais. Peut-être qu'un jour, on aura besoin de ses services. Tu vois? Bébé, tu sais à quel point la vie est chère dans ce quartier. Je sais tout ça, mais tu as été promu, n'est-ce pas? Bébé... Comment s'est passé le premier jour de ma fille à l'école? Cette fille est comme un caméléon, elle s'adapte facilement. Je suis fière d'elle. Moi aussi, je suis fière d'elle. Bébé, dis-moi quelque chose. Comment s'est passé ton premier jour? Ça s'est bien passé. C'est vraiment passionnant. En fait, il y a un de mes collègues qui veut me présenter à son couturier qui sait bien coudre les vestes et autres accoutrements. Tu vois, histoire de renouveler un peu ma garde-robe. Maintenant que je suis un associé principal, je dois faire la différence. Oh, wow. Et oui. Alors mon prince charmant, ici présent, va bientôt briller encore plus. Super. J'aime les hommes en veste. C'est vrai ça? Bien sûr que oui. Vraiment? Doucement, elle peut nous entendre. Elle est en train de dormir. Arrête, tu me chatouilles. Allez, venez, c'est ici. Voilà. D'accord. Eh bien, comme vous le voyez, c'est ici que j'habite. Oh. Vous êtes les bienvenus chez moi. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Faites comme chez vous. Merci. Allez-y. Ok, merci. Alors, dis-moi, Dazwa, tu as une nouvelle bague? Oh, ça te plaît? Ça m'a coûté cher. Je l'ai acheté le vendredi dernier. En fait, j'ai renouvelé mes bijoux. Alors, j'ai profité pour acheter cette jolie boucle d'oreille. Oh, vraiment jolie. Je le sais. C'est trop chic, ça. Vous savez, on va la semaine prochaine à Dubaï et à Paris pour les vacances. Vraiment? C'est lui et moi, seulement. Eh bien, moi, j'ai déjà passé ces soi-disant vacances et autres. Disons que... ça ne me dit plus rien parce que c'est pour les jeunes couples. Madame, vous avez 41 ans? J'ai 40 ans. Oh. Mais franchement, vous deux, vous devez vous intéresser plutôt aux finances, aux affaires, au lieu de rester plutôt là, parler de vacances. Noyé, oui. Parle-moi un peu de ton mari. Mon mari, il est associé principal dans une entreprise. Oh! Ouais. Cool. Nous avons aménagé ici après sa promotion. Oh, c'est bien ça. Ouais, dès lors, les choses ont beaucoup évolué, vous voyez un peu. Et je crois qu'il est plus à l'aise maintenant. Ah, eh bien, c'est à cause de l'argent. C'est oui. Ça. Oui. Vous avez tout à fait raison, parce qu'il est devenu plus tendre et doux. Je crois qu'il fait de son mieux pour nous mettre dans le confort. Mais pourquoi continues-tu de travailler? Adesua! Pourquoi je continue de travailler? Mais j'ai tout à fait raison. Oh! Eh bien? Je suis une femme au foyer. Et c'est le meilleur type de confort. Écoute, Adesua, moi je travaille. Et tu ne m'as jamais entendu me plaindre d'un quelconque inconfort. Tu n'as qu'à gérer les finances de l'entreprise de ton cher mari. Tu peux le faire à partir d'un ordinateur étant assis simplement à la maison. Au lieu de t'asseoir au magasin du matin jusqu'au soir. Ça, c'est de l'esclavage. Noyé, ne prends pas cela en mal. Okay. Je pense bien que si tu te prends une assistante, ce serait mieux. Oui, j'ai déjà pris une assistante.
Oh. Je ne suis pas avec elle du matin jusqu'au soir, mais je vais plutôt là-bas pour voir un peu ce qui se passe. Et je pense que c'est mieux ainsi de rester à la maison pour le thé. Non, je ne parle pas de vous. C'est compris. Mais tu travailles trop. Oh. Si ton mari est maintenant souci principal, c'est sûr qu'il perçoit maintenant le double de son ancien salaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu dois avoir du temps pour toi-même. Peut-être que tu dois aller faire du shopping. Oui. Okay. Je suis vraiment désolée, mais tu dois t'acheter de nouvelles chaussures. Et aussi un peu de massage parce que tu as l'air horrible. Moi, je viens juste d'acheter des chaussures. Oh, ça se voit vraiment. Oh, mon Dieu. Oh, je vous sers quelque chose à boire. Hein? À boire? Hein? J'y vais. Ok. Chérie, s'il te plaît, excuse-moi, j'étais avec cette dame. Je suis vraiment désolée. C'est la raison pour laquelle tu m'as appelé pour que je vienne te chercher? Oh. Et si le chauffeur de l'entreprise n'était pas du tout disponible, que ferais-tu, dis-moi? Bébé, ah, oui, ça fait un bon moment que je ne me suis pas autant amusée. Alors je voulais simplement passer du temps avec elle. Oh, mais tu aurais dû m'en informer. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas décroché. Il a fallu que j'appelle ton assistante pour savoir que tu n'étais pas au magasin aujourd'hui. Voyons, on y est. Mais pourquoi? Ça fait même pas une semaine qu'on vient d'ouvrir le magasin. En plus, cette fille est nouvelle. Comment peux-tu abandonner tes affaires dans sa main comme ça? C'est le moment d'avoir le regard sur tes affaires. Bébé, c'est pas à cause de ça que tu vas te mettre à réagir ainsi. C'est pour cela que tu as dilapidé l'argent? Hein? Nonier, 300 000 francs une journée? Dis donc. Chérie, regarde. J'ai acheté de très belles chaussures, tu vois? Regarde les chaussures que je porte. Mais dis-moi, chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec ces chaussures? Je les ai eues à très bon prix. Comprends-moi, mon amour. Ça doit bien faire un siècle que je ne me suis pas autant amusée. Arrête-moi ça, Nonier. Ce n'est pas le moment idéal pour faire de grosses dépenses. Mais voyons, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein, chérie? Désolée. Écoute, chérie. Je ne suis pas contre le fait que tu achètes de nouvelles chaussures avec ton argent ou le mien. Ce n'est pas là le problème. Mais il faut que tu saches que nous devons investir beaucoup d'argent pour préparer l'avenir de nos enfants. Et cela nécessite des économies. Voyons, Nonier, ça fait 7 ans maintenant qu'on est ensemble. Hein? Et les seuls biens que nous possédons en ce moment, ce sont les voitures que nous avons réussi à acheter. Pourquoi? Hein? On ne fait que déménager. Hein? C'est pas sérieux. Non, mais arrête un peu. Tu dois réfléchir un peu et penser à investir. Je suis désolée. Excuse-moi, bébé, je ne vais plus recommencer. C'est juste que... Écoute, je suis désolée. Ok, alors on va régler le reste dans la chambre. Parce que tu as passé tout le temps dehors sans avoir à l'esprit que tu as un mari que tu as laissé tout seul à la maison. Vraiment? On vient juste de faire connaissance et elle ne veut plus me lâcher. C'est laquelle? Adesua ou Zoé? Zoé n'est pas trop collante. C'est plutôt Adesua. Ah. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut au juste? Bien, vas-y, décroche pour savoir ce qu'elle veut. Non. Je suis avec mon mari. Ça fait rien. Tu peux décrocher si tu veux. Et... Elle ne pourra plus nous déranger. Regarde, tu vois bien ce qu'elle est en train de faire là? Allez, dépêchons-nous, sinon tu vas être en retard. Chérie? Oui, bébé. Où est-ce que tu files comme ça? Tu as fait mon petit déjeuner? Je n'y ai pas pensé. D'habitude, tu n'en prends pas. Où avais-je la tête? Tu pourras trouver un peu de pâte dans la cuisine. Mais ce n'est pas ce que je veux manger. D'ailleurs, où est-ce que tu vas comme ça? Chérie, je suis vraiment pressée, mais tu ne prends pas de petit-déj. Pourquoi aujourd'hui? Écoute, je veux prendre le petit-déjeuner aujourd'hui. Chérie, je dois me rendre quelque part. Quelque part, et je suis sûre que ce n'est pas au magasin. N'est-ce pas, Nonier? Non,
J'ai un rendez-vous avec Adezoa ce matin. Ensuite, elle doit m'accompagner pour faire plein de trucs, tu vois. Oh. Hein? Dis, c'est la même Adezoa? Celle qui n'arrête pas de te déranger? Est-ce qu'elle n'a pas de mari? Bébé, je dois maintenant y aller, ok? Tu ne peux pas te débrouiller tout seul? Non, je veux un petit déjeuner fait par ma femme. Alors s'il te plaît, pourquoi ne pas prendre un bout de ton temps pour faire cela avant d'aller voir ton ami? Mais le problème, c'est que... Non, non, mon petit déjeuner, madame, ok? Merci. Ton père? Allons-y. C'est joli. Oh oui. Bonjour madame. Salut, comment ça va? Bonjour madame. Comment ça va? Très bien madame. Bonne arrivée. Cette perruque me plaît beaucoup. Qu'en penses-tu, Noyé? Oui, mais je pense que c'est touffu. Tu trouves? Ou pas? Laisse tomber. Oh, celle-là, c'est la classe. Ouais. Mais la couleur est bien différente de la mienne. Alors, tu prends laquelle? Pour moi? Oui. Oh, non, non, non. Je n'en veux plus. Je crois que j'en ai une ou deux à la maison. Allez, juste un peu de plus, ça ne fait rien du tout. Je le sais, mais bon. Même si je le veux, mon mari ne va pas l'accepter. Il m'a déjà averti à propos de mes dépenses inutiles. Eh bien, c'est méchant, ça. Ah, franchement, dis-moi pourquoi tu te donnes autant de mal pour plaire à ton mari? Il n'y a pas de mal à obtenir ce que tu veux. Eh bien, quant à mon mari, il ne me refuse absolument rien. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais il veut que nous économisions pour créer des biens. C'est une très bonne chose. Et aussi préparer l'avenir de nos enfants, c'est aussi une bonne chose. On peut dire que c'est pas du tout mauvais, ça. N'oublie pas aussi que tu as ta propre vie, hein? N'est-ce pas? N'oublie pas aussi que tu dois te faire plaisir. Chérie, si tu ne fais pas attention, crois-moi, ton mari va te transformer en une domestique. Hein? Tu serviras à faire la vaisselle, nettoyer la maison et cuisiner, y compris lécher ses pieds. Imagine un peu ce qu'il te fait subir. Tu dois faire son petit déjeuner alors que tu n'avais pas le temps. Dis-moi, pourquoi tu ne prends pas une bonne? Oh, ton cher et tendre époux refuse parce que sa femme peut absolument tout faire. Adezoa. Je pense bien que ton mari est sexiste. Non, pas du tout. Sexiste? Victor? Non, il n'est pas sexe. Écoute, c'est juste que... Il aime mes plats. Et j'en suis vraiment ravie parce que c'est normal, puisque c'est mon devoir en tant que femme, de eh bien, le faire. C'est aussi son devoir, de bien s'occuper de toi. Je ne vois aucun mal à vouloir obtenir ce que tu désires. Je peux obtenir tout ce que je veux, mais c'est juste que mon mari dit... Il dit que tu dois investir? Oh, ça, je le sais déjà. Adezoa. Noyé, ne sais-tu pas que le charme est le plus grand pouvoir de la femme? C'est ce qui fait trembler les hommes. Bébé, le moment est arrivé d'utiliser ton charme. Tu pour dis? Maintenir ton homme sous ton contrôle. Ouais. Charme? Quand est-ce que vous avez fait l'amour? Pour la dernière fois? Adezoa. Mais dis-moi, je suis ton ami, tu peux tout me dire. Mais cette information est classée top secret. Mais non, Noyé, on ne se cache rien, tu le sais. Ça fait... au moins 2 jours. Notre relation intime est tout à fait régulière. Ah, c'est bien. Alors essaie de le sévrer un peu pour pouvoir le contrôler. Prive ton mari de sexe pour un bon bout de temps. Et quand il aura envie, impose des conditions. C'est un mauvais conseil, Adezoa. Fais-moi confiance, mon ami, mon ami. Ça fonctionne. Tu en es sûre? À 100%. Eh bien, demande-lui de changer cette vieille voiture. Adezoa, ma voiture n'est pas du tout vieille que ça. Chérie, cette voiture qui date de 2008, ce modèle est dépassé. On peut prendre ces deux-là? Celle-ci et celle-là. Bébé, tu as dormi bien tard hier soir.
Ouais, j'ai dû faire des heures supplémentaires parce que j'avais énormément de choses à faire. Ne te fatigue pas trop au boulot, ok? D'accord. Mais c'est pour cela qu'on me paie. Je t'aime. Moi aussi. Pourquoi cette question? Parce que c'est exactement comme ça que tu te comportes quand il y a quelque chose. De quelle manière? De cette manière. Alors dis-moi, quel est le problème exactement? Est-ce que tu as bien regardé ma voiture? Je veux parler du modèle. Tu sais que ça date de 2008? Ta voiture n'a aucun souci. Alors pourquoi est-ce que tu veux que je la change maintenant? C'est juste une question de perception. Adesua a dit que j'ai une vieille voiture. Alors je me suis dit, comme j'ai économisé un peu d'argent, tu pouvais me compléter pour que je puisse... Arrête-moi tous ces calculs, ok? Je ne comprends pas du tout ton comportement ces jours-ci. Ça fait 3 semaines que tu es devenu bizarre. Je t'ai juste posé une question, et non. Eh bien, ma réponse est non. S'il te plaît, va voir comment va la petite et laissons tomber cette histoire. Laisse-moi. Victor, laisse-moi. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Mais arrête. Pourquoi? Je n'ai pas du tout envie, ok? Waouh. Tu ne m'as jamais dit non. Eh bien, ça commence aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait seulement 2 jours qu'on a eu des rapports. Mais depuis quand nous nous sommes fixés un calendrier? Victor, s'il te plaît, je suis fatiguée. J'ai eu une très longue journée. Je veux me reposer. Allez, mon amour. Bébé, arrête. Arrête, s'il te plaît. Écoute, je suis très fatiguée. S'il te plaît, bébé, essaie de me comprendre, s'il te plaît. Allez, allez, s'il te plaît, allez. Pousse-toi. Stop, ok? Ce n'est pas le moment. Laisse-moi dormir. S'il te plaît, bébé. Essaie de me comprendre, hein? Non! Ok, ok. C'est vrai ce que tu dis, oui. Bien sûr que oui, je suis sérieuse. Aucun homme n'est facile à manipuler. C'est pas une blague. Tu l'as pris au piège en prenant une photo de lui avec une fille pour pouvoir le manipuler. Pourquoi est-ce si difficile pour vous de comprendre tout cela? Oui, j'avais besoin d'une aide extérieure à la maison, ok? Vraiment? Mais c'est parce que tu refuses de faire tes devoirs de femme au foyer, faire le ménage, cuisiner pour la famille. Lui non plus, il ne fait pas toutes ces choses. Alors écoutez, le plus important pour moi, c'est d'avoir le contrôle des finances, le contrôle des affaires et le contrôle sur lui-même. Écoute, je ne suis pas assoiffée d'amour comme toi et Adesua. Ce qui m'importe le plus, c'est l'argent. Alors c'est ce que je veux pour vous deux ici. Ce serait le mieux. D'ailleurs, mon mari a peur de moi. Et c'est mieux ainsi. Nouye. Est-ce que tu as fini avec le boulot?
Oui, c'est que j'en ai fini il y a de cela une semaine. En revanche, il reste à superviser, donc je ne pense pas que ça soit fini. Pourquoi? Tu veux continuer le service client? Quoi? Non, j'y vais juste pour superviser le travail de mon associé pour qu'elle sache que c'est moi la patronne. Je ne peux pas prendre le risque d'abandonner mon entreprise entre ses mains. Attends, pourquoi ne pas trouver quelque chose qui va avec ton diplôme ou ta formation? Comme quoi? Une banquière ou quelque chose du genre qui va m'occuper tout le temps au point d'oublier ma famille? Non, je refuse. J'ai fait des études en banque et finance et croyez-moi, il n'y a pas de bon salaire dans ce domaine. Vraiment? Plus maintenant. Tu dois bien y réfléchir, Neunier. Parce que tu te soucies trop de ton mari et de tes enfants. Explique-moi, tout l'argent que tu gagnes vient seulement de ton magasin, alors? Mais c'est quoi, Madame Zoé? Moi, tout l'argent que je gagne provient de mon mari? Ton mari doit être franchement riche. Oui, tout à fait. Mais non, qu'est-ce qui va se passer si vous divorcez un jour? Que Dieu m'en garde. Je touche du bois. Désolée, ça n'arrivera jamais. Mon mari et moi, on s'entend très bien. J'apprécie bien ton optimisme, mais quant à moi, je suis réaliste. En tout cas, je m'entends très bien avec mon mari. On s'entend très bien. Vraiment, tout va bien. Okay. T'en es sûr? Oui. Cela explique pourquoi tu ne peux rien t'acheter sans demander d'abord la permission à ton mari Victor. C'est pas vrai. Ouais, c'est juste que nous avons tous les deux un compte conjoint. Alors comme ça, nous arrivons à bien gérer l'argent en se surveillant mutuellement pour ne pas dépenser ou pour des broutilles. Attends, attends. Vous avez un compte joint? C'est bien ça? Mais tu as au moins un compte à toi seul, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. D'accord. Mais à vrai dire, j'ai un problème avec ce compte et maintenant il est sans mouvement. Donc il ne fonctionne plus en ce moment. Donc, tu ne peux pas te rendre à la banque et réactiver ton compte? Vous savez quoi? Je crois que c'est mieux de se concentrer sur la nourriture, ok? Tu as raison. Laisse-moi te dire, chérie, tu dois apprendre beaucoup. J'ai deux ou trois petites choses à t'enseigner. C'est vraiment important que tu aies un compte privé. Ok, tu as intérêt à apprendre. Tu as beaucoup à faire. Hey, salut. Salut. En quoi puis-je vous aider? Comment allez-vous, madame? Bonjour. Écoute, je suis vraiment désolé parce que je sais à quel point il est vraiment gênant de parler à un inconnu. Je suis vraiment désolé. Excuse-moi du dérangement causé par l'intrusion. Oh mon Dieu, je ne sais même pas que dire. Il y a quelque chose en toi qui m'attire comme de l'aimant. Tu le comprends? Tu sais, j'ai juste été captivé par cette belle créature, tu vois? Je suis désolée. Vous voyez? Eh bien, je suis gauchère, donc je me sers de la main gauche quand je parle. Super, mais c'est pas en fait ce que j'ai bel et bien remarqué là. J'ai remarqué que tu portais une bague. Tu es mariée? Oh oui, c'est ça. Je suis mariée. Ok, j'ai... Ouais. Écoute, ne prends pas ça mal, ok? Je veux faire ta connaissance. Je veux juste être ton ami, ok? J'espère que cette chose ne sera pas un obstacle. Mais écoutez, je suis mariée, alors je suis pas sûre que ce... Ne vous en faites pas, ma chère. Je ne vais surtout pas dépasser les bords. Je m'appelle Denis Adérobo. Laisse-moi serrer ta main une fois de plus, s'il te plaît. Quel est ton nom? Noye Adebamoyo. Noye Adebamoyo, ok. Tiens ça, ma carte de visite. Ok. S'il te plaît, appelle-moi. Oui, pourquoi pas. Ok. Bye. Bye. Allez, passe une bonne journée. J'avais oublié. J'ai quelque chose à vous raconter. Vas-y. J'ai rencontré quelqu'un. Un bel homme. Ouais. Tu as rencontré ce Femi à des robots? Quoi? Non, laisse-moi voir.
Tu as vu ça? Quoi? Qui est-ce? Comment tu as fait? Ok, mais pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous connaissez ce Femi Adeyrobo? Ah, est-ce une blague? Non. Tu ne connais pas Femi Adeyrobo? Je devrais. C'est le patron de Kiko Echo. Ah. Il gère la plus grande société de transport ici à Lagos. Oh. Ah, voyons, ne niez. Ne fais pas semblant. Ah, je ne le connais pas. Est-ce que je suis censée le connaître? Bien sûr. Noye, pourquoi tu nous caches la vérité? Quelle vérité? Chérie, tu as de la chance. Oh. Ok, allez, tiens. Prends ça, appelle-le. Oui, fais-le. Non, 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 non. Pourquoi veux-tu que je l'appelle? Si, tu dois Mais le faire. Mais je suis mariée, vous l'avez oublié. Arrête un peu ces sottises-là, s'il te plaît. Oh, il faudrait non. immédiatement appeler ce mec. Pourquoi? Tu sais, personne ne te demandera de tromper ton mari. Voilà. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est que ce mec en question mérite d'être connu et il pourra t'emmener partout où personne ne pourra le faire. Et puis, sache que c'est un investissement que tu fais dans cette amitié. C'est tout. On ne te demande pas de coucher avec tous les hommes que tu rencontres dans ta vie. Il ne s'agit pas de ça. Donc, vous voulez dire que je peux coucher avec toutes personnes? Non, ne déforme pas du tout mes paroles. Écoute, qu'est-ce que tu attends? Compose ce numéro et parle avec lui. Okay. Je suis sûre que tu ne vas vraiment pas le regretter, crois-moi. Ok, c'est compris. Bien sûr, tu as raison. Tu as bien compris? Ah, ouais. Oui, ça coûte ça rien d'essayer. S'il te plaît, ne me fais pas d'histoire aujourd'hui. Chérie, il faut que tu saches que je ne te cherche pas d'histoire, ok? Ce que je veux savoir est simple et logique. Pourquoi est-ce que toi, Nonier, qui es une femme mariée, tu peux rentrer à la maison à une heure aussi tardive dans la nuit? Victor, j'étais avec Zoé et Adesua, un point c'est tout. Tu étais avec qui? C'est aussi simple. Ah, est-ce que tu sais au moins que ta fille et moi, nous avons voulu prendre le dîner avec toi? Hein? Après une longue journée? Est-ce qu'au moins tu as songé à m'appeler pour tenter de me rassurer qu'à ton niveau, il n'y a pas de problème et que tout va très bien? Tu sais quoi, Nonier? Tu perds la tête. Oui, fais très attention à toi. Parce que ton comportement a brusquement changé depuis que tu as commencé à fréquenter ces soi-disant amis. Tu n'es plus toi-même. J'ai épousé une compagne et non pas un objet. Mais je n'arrive plus à te reconnaître. Oh, mon Dieu! J'étais sortie avec mes amis, un point c'est tout. Alors s'il te plaît, calme-toi un peu avant de réveiller notre fille. Ah. Je veux juste dormir s'il te plaît. C'est pas du tout croyable. Thank you.
Je t'avoue que je suis vraiment transporté de joie, Nonier. Parce que tu as honoré mon invitation. J'en suis ravi. Oui, mais tu dois savoir une chose, c'est que je n'ai pas l'habitude de faire ces choses. Quoi? Tu n'es pas habitué à dîner dans un restaurant luxueux? Quoi? Tu sais de quoi je parle. Je n'ai pas eu l'habitude de dîner avec un autre homme. Nonier. Oui? La première fois que je t'ai rencontré, je croyais t'avoir dit quelque chose. Que je voulais être ton ami. N'est-ce pas? Oui, je le sais. J'ai de bonnes intentions à ton sujet, Nonier. N'aie pas du tout peur, ok? Alors, s'il te plaît, essaie juste de te calmer. Si tu le dis. Bien, comment tu vas aujourd'hui? Dis-moi. Ça va très bien. Et chez toi? Je vois, bien. Quant à moi, je suis vraiment ravi, tu sais, d'atteindre l'objectif que je me suis fixé, qui est de passer une très belle soirée avec toi. Ok. J'étais un peu stressé au boulot aujourd'hui à cause de certains employés qui badinaient avec le travail. Il fallait que je claque les doigts, tu vois? Mais ça va maintenant que je suis avec toi. Je me sens mieux. Ok. Que fais-tu dans la vie? Bien, je gère une boutique. Ah bon? Oui. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu vends? Je vends des provisions, des articles de toilette, de la boisson et plein d'autres choses encore. Ok. C'est juste que quand on te regarde comme ça, tu vois, on s'attend à beaucoup plus. Ah bon? Tu ne ressembles pas du tout à quelqu'un qui gère un magasin. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas pourquoi tout le monde me dit cela. Mais moi, je suis tout à fait heureuse de faire ce que je fais, c'est-à-dire vendre les provisions et même les articles de toilette. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ne m'en veux pas si je te regarde et que je vois quelqu'un d'autre. Tu sais, on a l'impression d'être en face d'une... banquière, une comptable ou un avocat. Allez, regarde-toi un peu. Tu ressembles à tout ça, tu vois? Eh bien, je suis désolée de ne pas répondre à votre attente, monsieur Adérobo. Je suis très heureuse de faire ce boulot. C'est tout. C'est bien. Dites-moi donc, monsieur Adérobo, c'est quoi votre boulot? S'il te plaît, peux-tu m'appeler Demi? Je suis bien ton ami. Damian, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Les affaires. Je suis un homme d'affaires. Disons, je dirige une société de transport, okay, qui se trouve être la meilleure dans tout le pays. Je ne sais pas si tu connais Kiko Transport. Oh, oui. Oui, c'est ça. J'ai aussi à mon actif des espaces événementiels. Et aussi une dizaine de domaines privés, tu vois? Tu connais l'adage qui dit « le temps, c'est de l'argent ». Je détiens aussi un parc automobile et bien d'autres. Tu vois tout ce boulot? Oui, je dois dire que tu as vraiment beaucoup de travail. Oui, bébé, c'est pour ça que tu dois être très contente que je te consacre beaucoup de mon temps. Tu comptes beaucoup pour moi, Nonier. Tu comprends? Alors, es-tu marié? Non, pas encore. Ah, est-ce que ça te gêne que je sache quel âge tu as? J'ai exactement 40 ans. Tu ne veux donc pas te marier? Bien sûr que je veux me marier. J'ai essayé, Nonier. J'ai vraiment essayé, à plusieurs reprises. Et je n'ai pas trouvé quelqu'un qui est... qui peut me rendre vraiment heureux au point où tu aimes cette personne vraiment très fort, tu vois, à la folie. C'est un peu compliqué. Tu vois, c'est pas comme si... Essaie de me comprendre. Je fais de mon mieux. En ce moment même. Je cherche comme ça, ok? Tu sais quoi? J'ai été fiancé 3 fois à des femmes au cours de ces dernières années. Mais... Ok. Ça n'a jamais abouti au mariage. C'est bien. C'est vraiment regrettable parce que le mariage est une très bonne chose. Le mariage est merveilleux. Surtout quand tu rencontres la bonne personne. Bien sûr. Quelqu'un que tu connais. Quelqu'un de vraiment spécial comme toi, Nonier. Qui est déjà dans une relation, tu vois? Et qui ne se sent vraiment pas comme elle veut.
Tu vois, il y a une chose en plus que cette personne recherche, mais qu'elle n'arrive pas à obtenir. Alors, ce qui se passe, c'est que... Bien, elle décide quand même de se marier, pour des raisons qu'elle ignore. Mais elle se réveille un bon matin et se rend compte qu'elle a commis une grave erreur en se mariant avec ce type et qu'il faut que... qu'elle parte, qu'elle le quitte. Mais moi, je ne veux pas cela. Alors, c'est pourquoi je suis toujours à la recherche de la bonne personne. Que fait ton mari comme boulot? Il est juriste. Oh, c'est bien. Écoute, c'est bon, c'est vraiment génial ça, parce que nous cherchons un juriste en ce moment même. Oh. Ouais, nous cherchons un juriste. Le département juridique de mon entreprise recherche un juriste compétent qui peut défendre l'entreprise juridiquement parlant, pour ne pas rester en marge. Ok. C'est très important. Oui. Alors, ça te dirait d'en parler à ton époux? À mon mari? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Ce n'est pas, à vrai dire, une bonne idée. Pour le respect que j'ai pour mon mari, je dirais non. Non, parce que... Parce que tout va bien? Ok, je te comprends. D'accord. Ça marche. Combien d'enfants alors avez-vous? Juste une petite fille. Elle s'appelle Ureloa. Ureloa? C'est un joli prénom. Oui, elle grandit vite. Mais c'est Yoruba. Dites, c'est Yoruba, n'est-ce pas? C'est exact, mon mari est un Yoruba. Est-ce que ça te pose un problème? Non, pas du tout. En fait, je suis vraiment impressionné qu'une femme de ton genre, tu vois, peut se marier vraiment loin de sa tribu et réussir son foyer. C'est vraiment rare ce genre de cas, tu crois pas? Oh, waouh! Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais mon mari et moi avons souvent des hauts et des bas. Oh! Et depuis que nous avons aménagé dans ce quartier, ça s'est empiré. Il refuse carrément que je sorte. Il se plaint aussi du fait que je rentre tard. Le comble, c'est qu'il ne veut pas que je débite le compte pour m'acheter tout ce que je voudrais avoir. Je ne devrais. Ne t'en fais pas, ça va aller. Alors, dis-moi, comment il a été au courant du fait que le compte avait été débité? Ben, tu sais, c'est vraiment une longue histoire. C'est pourquoi tu m'as vu à la banque la dernière fois. J'y suis allé pour ouvrir mon compte personnel, tu vois. Est-ce que tu as pris le temps de... d'en discuter avec lui? Avec Victor? Oui, j'ai essayé, tu vois. Peut-être que... Waouh, je pense qu'on ne devrait pas parler de ce sujet. Non, ça ne concerne que nous. Tu as vraiment tort. Non, Nier, je suis ton ami. Ok? Ça ne me gêne pas. Je peux passer tout le temps à t'écouter sans problème. Je ne vais pas te juger. Les vrais amis ne font pas ça. Ok? Regarde-moi. Je ne ferai pas ça. Ok. C'est pour juste t'aider. Donc tu peux te confier à moi. D'accord? Serveur! Serveur! S'il te plaît. Vous désirez, monsieur? Oui, bien sûr. Fais-moi voir le menu, ok? Merci bien. Les dames d'abord. Ouvrez la boisson. Merci beaucoup pour le dîner. Pas de quoi. Ce n'est rien. D'accord? Tu sais, on peut le réitérer si tu le souhaites, hein? Tu veux dire le dîner? Exact. Ok, ça me gêne pas du tout. Alors, et si on le mettait à demain? Est-ce que tu es libre demain? Oui, oui. Je vais t'appeler en cas de changement. Ok? Ok, d'accord. Je reste à l'écoute. D'accord. Allez, à plus tard. Bye. Ah, cette femme. Ça prend une tournure à laquelle je ne m'y attendais pas vraiment. Toujours de la poussière. Oh, mon Dieu. Oh,
C'est vraiment très sale ici. Tu vas m'attendre dans la voiture. Je vais parler à ta maman, ok? Il y a bien trop de poussière. À tout à l'heure. Victor, arrête un peu. Tu m'as fait une de ces peurs. Excuse-moi, ce n'était pas mon intention. Je suis occupée. Voyons, Nonié. Je me suis pourtant excusée. D'ailleurs, j'ai passé toute la nuit à m'excuser. Non. Tu voulais passer à l'acte. Voyons, Nonié. Voyons. Écoute, je sais qu'il y a eu des histoires entre nous récemment. Mais c'est juste, je veux qu'on oublie le passé, ma chérie. J'en ai marre de tout le temps me battre et me disputer avec la seule personne que j'aime sur cette terre, ma chérie. Mais ce n'est pas... Il ne s'agit pas seulement de s'excuser chaque fois. Je veux qu'il y ait un vrai changement. Ok, pas de problème. On va en reparler ce soir pour voir quel type de changement tu désires. Mais en attendant, s'il te plaît, chérie, essaie de me comprendre, ok? Donne-moi une chance. Ok? Ok. On se voit plus tard dans la soirée. Ça marche. Hey. Je t'aime, bébé. Moi aussi. Bye. Encore cette saleté. C'est vraiment trop sale. C'est tout ce que vous voulez? Merci. Ok, pas de quoi. Comment ça va? Bonsoir, madame. Désolée, j'étais un peu prise. Comment vont les choses ici? Madame, je n'ai vraiment rien vendu depuis le matin. Il n'y a pas de clients. Depuis le matin jusqu'à 7 heures? Bien sûr, madame. Je vous assure, je n'ai eu aucun client. Depuis que je suis venue. Comment est-ce possible alors que je suis supposée te payer un salaire à la fin du mois? Madame, je ne vous comprends pas. Si vous voulez m'accuser, alors je vous laisse votre boutique. Vendez vous-même. Moi, j'ai des choses à faire, mais moi. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Tu vois ces gens? Merci d'être passé me voir. J'ai vraiment passé une journée stressante. Tout ce que je veux faire maintenant, c'est m'étendre. Est-ce que tu es prête à me parler de ce qui te tracasse vraiment, Monia? Moi? Je veux juste me relaxer. Pourquoi tu ris de la sorte? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je ris? Bien sûr que oui. Mon Dieu. Tu préfères plutôt m'appeler. Oui, pour qu'on rigole juste ensemble. Au lieu d'appeler tes amis, ou encore ton mari, mais c'est à moi que tu as fait appel. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais que vous étiez heureux ensemble. Oui, nous sommes heureux. Qu'est-ce qui te fait dire le contraire? Tu sais, je pensais que tu n'allais pas prendre cela en mal, Noye, ok? C'est pourquoi je souhaite que tu fasses juste encore un pas pour t'ouvrir à moi. Peut-être que je pourrais t'aider un peu, d'une manière ou d'une autre. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Tu en es sûr? Oui. Et comment vas-tu t'y prendre avec moi? Alors, juste parce que je t'ai fait appel, parce que je suis stressée, tu parles d'intimité, ne pense même pas à ça, s'il te plaît. Noye, ton mari est censé être ton meilleur ami. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Ton mari est censé être ton ami intime et vous êtes supposés être ensemble tout le temps. Faire du shopping ensemble, sortir ensemble, aller au marché ensemble, faire du sport ensemble, danser ensemble, tu vois. Il devrait être là à tes côtés, que ce soit pendant les hauts et les bas. Il devrait être ton meilleur ami, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il doit être là au moment où tu es déprimé, comme tu l'es en ce moment, tu vois. Il devrait être là en ce moment même. Et non pas moi,
Analyse un peu la situation. Il se trouve qu'une femme mariée assise avec un célibataire, comme moi, à 7h du soir. Tu veux me dire que tout va très bien entre vous deux? Non, chérie, je ne crois pas. Et tout ce que je te demande, c'est que tu me laisses t'aider à guérir cette plaie. Ok? Tu sais quoi? Tu as raison. Je ne devrais pas être là. Nonie. Je dois être avec mon mari. Ok. Tu n'as pas besoin de partir, tu sais. D'accord? Laisse-moi t'aider parce que je peux t'aider. Chérie? Bébé. Bébé, je suis désolée. Je sais qu'il se fait tard. Crois-moi, j'ai fait de mon mieux pour rentrer. Lorsque je te mettais cette bague au doigt, tu m'as promis qu'aucune chose ne pourrait t'empêcher de l'enlever avant de sortir de la maison. Chérie, s'il te plaît, je suis sincèrement désolée. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Pour aller où? Chez tes amis? Au travail? Dis-le-moi. Ou alors tu as décroché un nouveau job dont tu n'as pas jugé utile de me tenir informé, pour lequel tu ne dois pas porter ton alliance avant d'y aller? Victor, qu'est-ce que tu veux insinuer? Je veux dire, j'étais juste pressée. N'importe quoi! Ce n'est pas vrai! Nonie! Tu as changé subitement et ça ne me plaît pas, ok? Alors méfie-toi! Victor, tu plaisantes? Ah, je suis toujours la même femme que tu as épousée. Ce qui ne va pas avec toi, mon pauvre Victor, c'est que tu ne remarques pas que toutes ces choses que tu m'as achetées sont usées. Je... Regarde! Non, regarde toi-même ces alliances. Quand est-ce que tu les as achetées? Depuis que nous étions des étudiants chômeurs à l'université, tu ne penses pas qu'il est grand temps que tu renouvelles ma garde-robe? Est-ce que tu n'as pas remarqué tout ça? Voilà. Victor! Tu t'entends parler là? J'ai fait énormément d'efforts pour t'acheter cette nouvelle perruque. Et c'est comme ça que tu me remercies? D'ailleurs, est-ce que tu m'as déjà demandé quelque chose que j'ai refusé de t'offrir? Regarde un peu comment tu as changé. Regarde, chérie. Tu n'as jamais été aussi matérialiste, Nonie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu es un enfant pour que je te dise ce que tu dois faire? Écoute-moi, tu sais quoi? Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne veux pas que ma fille se réveille et nous trouve ainsi. C'est magnifique. Tu sais quoi, Nonie, je suis vraiment très content parce que tu es venue. Merci. Moi aussi, je suis très contente. C'est vraiment ennuyant de s'asseoir dans ce magasin. Je vois. Je vois. Dis-moi la vérité, est-ce que tu apprécies cet endroit? Je veux que tu sois sincère avec moi. Est-ce que ça t'a plu? Eh bien, dans l'état d'Ogun, tout allait bien. Mais dans cette localité, tout le monde va au centre commercial. Personne ne fréquente les boutiques. Je vois, mais c'est peut-être le moment de bien réfléchir profondément. Moi, je crois que ta place n'est pas dans cette petite boutique. J'ai remarqué aussi que ma nonie n'est pas beaucoup plus à l'aise aujourd'hui que d'habitude. Tu fais semblant de sourire et de rire pour cacher cela, mais j'arrive à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Veux-tu me le dire? C'est mon mari. Il ne me parle pas. Pourquoi?
Bien. Il dit, je suis devenue matérialiste. Mes amis ont attiré mon attention sur certaines choses. Je lui en ai parlé. Mais il ne l'a pas pris du bon côté. Oh mon Dieu. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit exactement à ton mari? Tu sais, je lui ai expliqué que j'ai besoin de me relooker. À commencer par ça, tu vois, et que il devait me donner un peu plus d'argent pour ça. Peut-être que je n'aurais pas dû, ou peut-être... Penses-tu que cet homme peut faire ça maintenant, Nonie? Bien sûr que oui, il le peut. Seulement que j'ai voulu lui en parler. Quand je lui en parle, il refuse, et quand c'est ainsi, ça me met vraiment mal à l'aise. Oh bien. Mais ce n'est pas un problème. C'est ça le mariage. Trouve, tu vois un moyen de faire passer ton message. C'est bien clair. Tu dois trouver un moyen de convaincre ton mari, tu vois. Je ne peux même pas sortir avec mes amis sans qu'ils me harcèlent. Ah, c'en est trop. L'indépendance semble être la solution. Nonie. L'indépendance? Oui, l'indépendance. C'est important que tu sois indépendante. Je veux dire financièrement. Bien. Essaie plutôt de penser à un nouveau... Tu vois un nouveau domaine d'affaires. Quelque chose d'autre que ta boutique. Parce que je crois vraiment que... Tu es faite pour autre chose. Pas seulement gérer une petite boutique. Je te l'assure. Est-ce que tu as déjà songé à embrasser une nouvelle carrière autre que celle que tu fais actuellement? Nouvelle carrière? Ça, c'est vraiment encore plus de responsabilité. Je crois que... Nonie, ne laisse pas la peur t'empêcher d'évoluer, Nonie. J'essaie de trouver quelque chose de mieux pour toi. C'est-à-dire un boulot où tu peux rentrer tôt du travail pour faire ce que tu as à faire. Tu finiras plus tôt et tu rentres. Ça te permettra de faire plein d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Nonie, les temps changent. Tu m'as compris? C'est lorsque tu auras une sécurité financière que ton mari arrêtera de te négliger. Et il va commencer à te considérer de plus en plus, même psychologiquement. Il comprendra que tu es vraiment un maillon essentiel dans sa chaîne. Il saura alors qu'il a vraiment intérêt à s'occuper de toute sa famille. Parce que, à ce niveau-là, tu peux te prendre en charge et vivre bien à l'aise, sans son aide. Alors il te donnera plus d'amour propre. Pense-y sérieusement, parce qu'il y a une opportunité d'emploi dans une de nos branches actuellement. Alors si tu réfléchis et que tu es prête à t'engager, fais-moi savoir dès que possible tu commences. C'est juste que je veux que tu fasses quelque chose d'autre et que tu te sentes à l'aise, vraiment à l'aise, chérie. Oh, wow. Oh, ok, c'est compris. Mon Dieu, évidemment, je vais d'abord en parler à mon mari, mais quant à moi, c'est ok. Très bien. Vas-y, en parle avec lui. Mais dis-moi d'abord ce que toi, tu aimerais faire. Ok. 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 Bien. Ça a été un vrai plaisir de passer cette merveilleuse soirée avec ton Nonie. Ouais. Passe une très bonne nuit. Merci. Nonie. Pense bien à ce dont je viens de te parler. Et fais-moi savoir ce que tu auras décidé. Ok. Ah, mec. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu fais cette tête-là? Est-ce que c'est si évident? Bien sûr. Tu as l'air d'une personne qui vient de perdre un proche. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. C'est au sujet de ma femme. Son comportement m'inquiète beaucoup, tu sais. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon ami, les choses ne vont plus bien entre nous ces derniers temps. Depuis qu'elle a fait la connaissance de ces deux femmes, elle a complètement changé. Soudain, elle veut avoir une nouvelle voiture.
mais aussi une nouvelle alliance de mariage. Des choses auxquelles elle ne pensait même pas auparavant. Elle a complètement changé de comportement. Maintenant, elle rentre tard la nuit et elle est toujours pressée de partir tôt le matin. Pas parce qu'elle a des courses à faire, ni même parce qu'elle va au boulot. Je suis si confus. Tu sais qu'elle ne porte plus son alliance de mariage quand elle sort, et cela me donne de bonnes raisons de la soupçonner. Mec, tu sais bien comment sont les femmes. C'est pour cela que lorsque ma femme me demande quelque chose, je fais tout pour qu'elle soit contente. Franchement, je trouve que ce n'est pas normal parce que c'est de ma responsabilité. Et d'ailleurs, ma femme, c'est le reflet de moi-même. Et donc, il faut toujours qu'elle soit présentable. Écoute-moi bien, mon ami. Je ne peux pas me permettre d'acheter une nouvelle voiture maintenant. Comment le lui faire comprendre? J'en ai marre de tout ça. Et le comble, c'est qu'elle refuse que je la touche. Ah, là, je crois qu'elle essaie de te faire passer un message. Oui, un message très codé, mon frère. Peut-être qu'elle n'a pas la bonne manière. Mais elle essaie de te dire un truc. C'est quel genre de message? Mais moi, je suis fatigué. J'en ai marre. Je suis fatigué de tout ça. Ah, désolé, mec. Oui, il ne m'adresse plus la parole. Et ne mange même plus à la maison. J'ai l'impression que je lui ai fait quelque chose de mauvais. Alors je pense que je lui dois mes excuses. Ne même pas faire ce genre de choses. Ok, mais combien de temps ça va continuer? Aussi longtemps que possible. Si tu lui présentes tes excuses maintenant, il dira que tu es faible. Donc il va toujours penser que c'est normal de ne pas te satisfaire. Ne t'en fais pas, Noé. Tout rentrera bientôt en ordre. Ouais. Demi m'a offert un poste. Wow. Tu es sérieuse? Oui. Mais c'est génial. Alors j'ai pensé que ce serait bien d'accepter. Je pourrais avoir les moyens de satisfaire mes besoins. Ça éviterait les disputes avec Victor. Au moins ça va te permettre d'avoir plein de sous et te faire oublier un peu ces histoires de magasin. Oui, bien dit. À des sous, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. En fait, je sais très bien ce que vous voulez. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir satisfaire cette demande. Pourquoi pas? Écoutez, parfois les hommes ont juste besoin qu'on leur rappelle la valeur que nous, leurs femmes, avons. Manonier, depuis que tu as toujours été fidèle à Victor, qu'est-ce que ça a changé? Je pense que tu dois accepter ce boulot. Si tu le fais, tu gagneras beaucoup d'argent. Et alors, tu pourras lui montrer que tu as de la valeur quand même. Et s'il me demandait comment j'ai obtenu ce boulot? Tu n'as qu'à lui dire que c'est nous. Je pense que ce n'est pas vraiment compliqué. Il ne pourra pas s'y opposer. C'est vrai. Fais attention. Je suis désolée. Ok. Voilà. Bien. Hey. Qu'est-ce qui se passe, bébé? C'est pas mon anniv. Je le sais très bien. Ne t'inquiète pas. Qu'y a-t-il? Et maintenant, ferme les yeux. Ok. Viens. Ok. J'ai une surprise pour toi, chérie. Oh, mon Dieu. Ne les ouvre pas. Ne triche pas, ok? Ok. Ok, reste là. Je te regarde. J'espère que tu ne triches pas. Oh, bébé. Oh, mon Dieu. Est-ce que je peux les ouvrir? Pas question. Oh, ok. Qu'est-ce que c'était? Rien, chérie. C'est juste, tu peux les ouvrir maintenant. Ça te plaît? Oh mon Dieu! Bien sûr que c'est vraiment magnifique. Oh. Je t'aime beaucoup, Nani. Je t'aime aussi, Victor. Écoute, je sais que ces dernières semaines n'ont pas du tout été faciles pour toi et moi. Alors, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je veux qu'on s'entende à nouveau. C'est plutôt moi qui devrais m'excuser, car j'ai pas pu être une femme vertueuse pour toi. Je suis désolée, mon Voyons. Amour. Oh, on allait oublier? Quoi? Wow. Chérie, j'étais en train de penser. Que? Nous avions besoin de... Tu sais, célébrer. Oh, wow. Ah, voilà.
santé? Oui, à nous. Et pour toujours. À nous et pour toujours. Merci beaucoup. Je t'aime. Hey, bébé. Salut. Salut. Je t'aime. Je t'aime aussi, tu sais. Tu veux me parler? Je veux te parler de quelque chose. Ok. J'ai eu un job, un poste en tant que comptable. Crois-moi, c'est un travail qui me demande vraiment pas de temps du tout. Oh, je vois. Est-ce que c'est dans une banque ou bien peut-être... Non, une entreprise, je veux dire Kikoeko. Oh, la société de transport Kikoeko? Oui. Ah, le PDG d'Emi Aderobo est l'un de nos meilleurs clients. Oh. Oui. Ok, c'est vraiment très beau. Mon cœur, écoute, je pense que ce travail sera un avantage pour nous. C'est Zoé qui m'a trouvé le job. Je t'assure que le salaire est vraiment conséquent. Pense à tout ce qu'on peut faire tous les deux. On pourrait avoir notre propre patrimoine, notre maison à nous, mettre de l'argent en banque. En plus, on pourrait donner à notre fille tout ce qu'elle veut. Nous pourrons y arriver. Et puis, j'aurai même plus de temps pour m'occuper de Ureloa et de toi aussi. À propos du magasin, tu en es sûr? Oui. Actuellement, je ne gagne pas assez comme je le souhaite. Alors, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Bon. J'espère au moins que tu t'es renseigné un peu sur la cause du départ de l'ancien comptable. Oui, oui, je l'ai déjà fait. Je me suis renseigné, je t'assure que nous n'allons pas le regretter. Ok. J'espère que tu sais ce que tu es en train de faire. Bien sûr que oui, je sais très bien. Écoute, si je remarque quelque chose de bizarre, je vais simplement m'en aller. Ok. Et voilà. Ok. C'est ici ton bureau. Ouais. Voici... voici ton outil de travail, d'accord? J'ai mis ces dossiers ici pour que tu sois au même niveau par rapport à ce qui se passe. Okay. Et voici un ordinateur. Voici l'ordinateur portable que tu peux utiliser comme tu veux. Ça ne me dérange pas, tu peux l'emmener à la maison. Tu pourras l'utiliser pour développer tes capacités. Ok. Ok? Oui. Parfait, ah, mais je suis ravie. Je suis désolée, je pense que vous n'étiez pas censé faire tout ceci. Vous auriez pu confier à un de vos employés de me faire visiter l'entreprise. Oui, je n'aurais pas dû. Si c'était une autre personne. Mais comme c'est toi, c'est pourquoi je l'ai fait. Comment sais-tu qui je suis? Personne ne me dit ce que je dois faire. Ok? Ok. Eh bien, on y est, tout est correct. Je pense bien que tu as tout ce qu'il faut pour travailler. Mais en tant que comptable, je ne sais pas comment ça marche. Mais j'espère bien que tu seras très à l'aise, Nonie. Je ferai vraiment de mon mieux. Nonie, je voudrais te dire quelque chose. Donne-moi ta main. Allez. Je veux que tu saches que tu es une belle femme. Demi. Ok, regarde-moi. Je veux juste que tu sois heureuse. Je veux que tu vives dans le confort. Et j'espère que tu as assez de temps pour travailler ici avec nous, sans être gênée par quiconque. Et si tu as besoin de moi pour t'aider, sois sûre que je serai là, pour toi. Ok. Ok. Oui. Parfait. C'est ton premier jour de travail. Je ne dois pas te distraire. Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. Ok. Oh.
t'a vraiment dit ça? Mm-hmm. Il est même allé plus loin. Mais chérie, est-ce qu'il t'a fait directement la cour? Non, mais je ne suis pas une gamine. Je sais exactement ce qu'il veut. Bien, quand il le fera, tu devras accepter. Hein? Quoi? Tu m'as demandé un conseil et je te le donne, c'est tout. C'est ce que tu ferais? Bien sûr que oui, chérie. Oh, s'il te plaît, ne joue pas les saintes ni touches. Ok. Excuse-moi, petite sainte ni touche, qu'est-ce que tu as obtenu ainsi? Zoé, ça m'a donné Victor. Ah, vraiment? Écoute, Nonier, la vie est courte, tu sais. Tu mérites les meilleures choses de la vie. Tu dois saisir les occasions qui se présentent. Peut-être que c'est une manière indirecte de sauver ton mariage. Tu pourras avoir tout ce dont tu as besoin. Maison, voiture et autres. Je connais bien Demi. Il est plus que capable de te rendre digne de ce nom avec tous les honneurs possibles de ce monde. Je ne sais pas, Zoé. Non, 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 pas ça. Je ne sais pas. Arrête ça. Tu sais exactement ce que je pense. Oh. Mais tu sais que j'aime mon mari. J'aime Victor de tout mon cœur. Je ne peux pas lui faire une chose aussi cruelle. Comprends-tu? Vraiment? Donc pour toi, je n'aime pas mon mari, c'est ça? Oh, écoute, Nonier, ne le prends pas de cette manière. Il y a des choses qui valent la peine d'essayer. Donc, attends, tu aimes ton mari? Mais tu... Ah, on dirait que mon téléphone est en train de sonner. Hein? Ce soir. Dis donc. Oui. Tu sais, parlant de cuisine, je pense que tu devrais engager un cuisinier pour toi. Je peux le faire moi-même, au fait. Et je suis très bonne en cuisine. Oui, je n'ai pas besoin de ces cuisinières, ces servantes, ces gouvernantes chez moi. C'est la vérité. Si tu étais ma femme, je ne te laisserais jamais rentrer dans la cuisine. Avec toute cette chaleur qui te fera transpirer tout le temps, je vais te trouver une servante, je vais te trouver une cuisinière, je vais te trouver tout le personnel de maison pour m'assurer que tu te sens à l'aise tout le temps. Je pense pour que c'est tu une profites bonne chose, de la vie. Eh bien, c'est... on est au 21e siècle. Parlons sincèrement, Nonier. Est-ce que tu as une seule fois pensé à faire mieux? As-tu déjà observé ta vie sous des angles différents? Que se passera-t-il si tu ne vivais pas cette vie que tu vis actuellement? Si tu n'étais pas mariée à ce monsieur? Tu sais, et si tu vivais avec un autre homme? Et si tu essayais de structurer ta vie d'une autre manière? Structurer? Une vie différente de celle que tu vis actuellement. Bien. Si je n'étais pas avec Victor, je ne t'aurais pas rencontré. Ce n'est pas vrai. Si tu n'étais pas mariée à ce monsieur, j'aurais tout fait pour t'avoir et j'aurais fait de toi ma femme. J'aurais fait en sorte que tu sois la femme la plus heureuse du monde, que j'aime. J'aurais aimé passer de bons moments avec toi. Noni, regarde-moi. Demi, quoi? Demian, arrête. Je suis une femme mariée. Oui, je le sais. Ce n'est pas vraiment... pas vraiment une question de femme mariée, tu le sais, n'est-ce pas? C'est une question d'être heureux dans le foyer. Regarde-moi, Noni. Ok.
Es-tu... Es-tu heureuse? Oui. Laisse-moi t'embrasser. Demi. Quoi? Demi. Quoi? Je dois... Laisse-moi. Quoi? Je dois... Tu dois... Comprends-moi. Restez avec moi, Noni. Je sais que je suis capable de te rendre très heureuse. Crois-moi. Il faut que je rentre. Non. Demi. Tu dois rester avec moi. Reste avec moi. Tu dois rester. Mon bébé. Il est quelle heure à ta montre? Où es-tu allé? Bébé, écoute. C'est bon. Je ne veux pas me disputer avec toi. Je pense qu'on n'a pas besoin de se disputer. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. Tu te fous de moi? Il est minuit, jeune femme. Tu te moques de qui? Ok, n'importe quoi. Tu me dois des explications. Où est-ce que tu vas? Comment? Oses-tu me frapper de la sorte? Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Tu veux savoir ce qui ne va pas? Tu as oublié que tu devais aller chercher ta fille à l'école? Tu as même oublié sa nourriture? Tu n'as même pas répondu à mes appels toute la journée et c'est maintenant que tu débarques avec cette attitude stupide et grossière? J'étais dehors avec mes amis. Je suis sortie juste m'amuser. Chose que je n'ai pas faite depuis longtemps. Et qui t'a dit que c'est à moi d'aller chercher la petite, hein? Je travaille maintenant. Peut-être qu'il est temps que tu le fasses, toi. Mais non, c'est Nonia qui est devenue la femme à tout faire comme une domestique. Mais c'est toi-même qui m'as dit que ton travail ne te prendrait pas autant de temps. Alors c'est le cas. Tu m'entends? Quoi? Regarde comment tu pues l'alcool. Nonia, tu as consommé de l'alcool? Où est-ce que tu es allée? Dis-moi où est-ce que tu es allée. Regarde-moi ça. Tu es vraiment cinglé, toi. N'ose plus jamais m'insulter de la sorte. Je suis ton mari, ok? Qu'est-ce que te prends? Dis-moi. Tu veux savoir ce qui me... Est-ce que vous vous battez? Non, mon bébé. On se bat pas? On est en train de jouer, pas vrai? N'est-ce pas? Ouais. Il n'y a rien de grave. On ne se bat pas. Ok. Et si on allait dans la chambre? Oui. Ok, allons-y. Salut, ma belle. Hey, monsieur le directeur. Bonjour. Comment vas-tu? C'est mon poste de travail qui me pose de petits soucis, mais je vais bien. Merci. Es-tu sûr que tu veux qu'il soit réglé? Oui, j'en suis sûr. Alors? J'ai une surprise pour toi. Ah, j'espère que tu aimeras. Tiens. C'est un bijou qui coûte vraiment cher. Tu es spécial, Noni. Monsieur... Tu peux ouvrir pour bien voir, s'il te plaît. C'est très joli. Merci beaucoup. Tu es très mignonne. Je t'adore. Et j'ai encore plein de surprises pour toi. Oh, désolé. Et je t'ai acheté une voiture officielle. Elle est juste garée dehors. On peut aller la voir. Il t'en fallait une. Tu en as besoin. N'est-ce pas? Ok. Quoi? Merci beaucoup. Pas de quoi, mon amour, oui. Je t'en prie. Ça va. Tu sais, je vais juste t'accompagner dehors pour voir la voiture et voir si elle te plaît énormément. Ok. Suis-moi, allons voir. Okay. Allons voir si ça te plaît.
Maintenant, voici ce qui va se passer. Tu vas prendre ce véhicule et ramener ce qui t'a été offert comme voiture. Cette voiture est une voiture de service. Je connais bien ce que c'est qu'une voiture officielle, madame. Ne me raconte pas des âneries. Une voiture qui vaut 10 millions? Quoi, tu penses que je suis stupide? D'où viens-tu avec toutes ces choses? Essaie, regarde toi-même. Des nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, regarde. C'est quoi tout ceci? Dis-moi, cela fait combien de temps que tu travailles? On me paye avec beaucoup de générosité. Ça te gêne? Oui. Je n'irai plus au travail. Est-ce que tu souhaites? Je ne t'ai rien demandé, même pas de l'argent. Si tu ne peux pas prendre soin de moi, alors je peux prendre soin de moi-même. Oh, allez, arrête. Je fais ce qu'il y a de mieux pour te satisfaire à tous les niveaux. Pour prendre soin de toi. Tu le sais bien. Mais tu trouves que je ne fais rien pour toi. Je commence à en avoir marre de toi. Vraiment? Oui, franchement. Tu vas ramener cette voiture. Non, je t'ai dit, je ne veux pas. Et je suis en train de te dire... Je ne ramènerai pas du tout cette voiture, d'accord? Ok, je ramène la voiture à mon entreprise, c'est ça? Non, ça ne se passera pas comme ça. Ne joue pas avec moi. Ok? Tu me prends pour un idiot? Ok. J'en ai vraiment marre de toutes ces disputes. Et franchement, cette union, c'est ça que tu appelles mariage? Ça me donne mal à la tête. Vraiment? Non, la copine, je ne peux pas ramener cette voiture. C'est impossible. Alors ne le fais pas. Si ton mari te demande de ramener cette voiture, c'est qu'il veut t'en acheter une autre? Comme s'il le pouvait. J'ai beau essayer de lui faire comprendre que c'est une voiture de service, mais il a juste dit non. Retourne-la. Ok, voici ce qu'on va faire. Tu la gardes dans ma maison, tu vas faire tes courses, et quand tu as fini, tu reviens la garer dans ma maison. Oui, c'est ça. Oh, c'est épuisant tout ça. En fait, en faisant cela, c'est comme si ce que je fais est mauvais. C'est ça le problème. Oh. Écoute, Noye, je pense qu'il n'y a pas meilleure solution que celle-là. Ok, bref, comment va Demi? Oh, oui. Bien. En fait, les choses deviennent sérieuses. D'accord. La semaine dernière, il m'a proposé de l'accompagner à un voyage d'affaires le mois prochain. Eh bien, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas, Zoé. Cela implique que nous allons faire l'amour. Vous ne l'avez pas encore fait? Non. Ma copine, mais qu'est-ce que tu attends? En fait, le fait que tu tiennes déjà ce monsieur dans ta peau, tu ne devrais plus attendre, crois-moi. Mais moi, je ne sais pas. Faire l'amour, c'est... le plus haut degré d'intimité. Je ne suis pas sûre de pouvoir. Tu es d'accord avec moi, hein? Parfait. C'est bien. Je pense qu'elle ferait mieux de demander d'abord. Parce que nombreuses sont les femmes qui ne tarderont à sauter sur cette opportunité. Je ne pense pas que ce soit un problème. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas où j'ai laissé ce truc-là. Salut, bébé. Excuse-moi, j'ai oublié quelque chose dans la chambre. C'est ça que tu cherches? Quoi? Quoi? Oh, merci beaucoup. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Quoi? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre ce que je te demande. Mon cœur, je me suis bien amusé cette nuit-là. Tu es si doux et si gentil. Tu as osé me faire ça? J'ai aimé la façon dont tu me tenais dans tes gros bras et m'embrassais, sans cesse. Non, nier! Comment oses-tu? Mon amour, c'est... Donne-moi ce téléphone. Tu dis? Qu'est-ce qui te prend, toi? Ce n'est pas ce que tu crois, je te jure, ok? Alors prouve-moi le contraire. Non. Parce que je vois bien ici que ma femme est en train de me tromper avec son boss. Oh mon Dieu, c'est incroyable, mes frères. Arrête de me raconter ces histoires, non, nier. J'ai fait tout ce qu'il y a de mieux pour que tu sois heureuse. Mais tu as trouvé que cela n'était pas assez? Mon amour,
Donne-moi. Comment oses-tu? Mon amour, je ne te trompe pas du tout. Comment oses-tu me regarder dans les yeux et me dire que tu ne me trompes pas? Comment oses-tu me mentir de la sorte? Mais c'est toi. Tu ne me rends plus heureuse, mon amour. Tu n'es pas heureuse parce que tu es une femme égoïste. Tu es égoïste. Est-ce que tout va bien à la maison? Bien. Quand Victor rentre donc, il ne me parle plus. Il ne mange même plus mes plats. C'en est de trop. Est-ce que tu veux vraiment rester avec cet homme? Je ne sais pas du tout. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Mais mon enfant... J'aime beaucoup ma fille, tu sais. Si tu aimais vraiment ta fille jusqu'à ce point... Tu n'aurais pas pu quitter la maison. Ouvre les yeux, regarde les choses en face. Il faut les voir telles qu'elles sont. Ce monsieur ne fait rien pour te rendre heureuse. Il ne t'apprécie même pas du tout. Il ne sait pas que tu es un cadeau si précieux pour lui. Et lorsqu'une autre personne vient vers toi, pour te dire combien de fois tu es si spéciale, il se met en colère. Il fait de son mieux. Mais je le comprends quand j'essaye de me mettre à sa place et j'imagine ce qu'il ressent. Il ne te satisfait pas. Mais c'est plutôt toi qui es en train de le satisfaire. Tu es vraiment une femme merveilleuse et très battante dans la vie. Tu as fait tout ce qu'une femme doit faire pour vraiment rendre heureux son homme. Oui, tu as pu te trouver du boulot pour l'aider à assumer ses obligations financières dans cette maison. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Chaque jour que Dieu fait, il te sous-estime. Il ne te mérite pas du tout. Bien, il essaye, je suppose. Oh non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Il veut que tu sois sa domestique. Mais tu ne dois pas du tout l'être. Parce que tu as été créé pour briller, il veut compromettre ton avenir. Mais tu ne dois pas laisser faire ça. Parce que tu dois réussir. Écoute-moi, Noni. Je veux que tu... Je veux que tu quittes ton mari pour vivre avec moi. Et te marier avec moi. Je te promets de faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Je te promets. Demi. Mais je ne vais quand même pas quitter mon mari, je veux dire... Oh, ce n'est pas possible. Alors, pourquoi es-tu ici? Oh, wow. Je cherche à construire un avenir meilleur pour nous deux. Oh. Je vais te donner un bon avenir. Tu sais quoi? Je vais te laisser un peu de temps pour réfléchir sur cette question, on est d'accord? Ok. Et pendant ce temps, je vais juste essayer de me débarrasser d'un certain nombre de choses pour que toi et moi vivions ensemble. Tu sais, on va passer tous les week-ends ailleurs. Oui, à Abuja, pourquoi pas? Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je te promets que les prochaines destinations pourraient être les îles Seychelles, la suivante pourrait être l'Espagne, Miami si tu le veux, mais commençons d'abord par Abuja. Et une fois que nous y serons, nous pourrons parler de... Tu sais... Projet de mariage, tu veux? Comment tu trouves ça, Noni? Où est-ce que tu te cachais pendant tout ce temps, toi? Oh.
Ça non, va. Non, pas encore, Damien. C'est moi. Je suis un homme de patience. Je vais attendre. Je t'ai acheté un téléphone. Oui, je te l'ai acheté. Attends que je parte le chercher, tu veux? Ok. C'est un simple portable. Un instant. C'est juste un téléphone. Tu voyages avec ce monsieur encore, Nonier? C'est un voyage d'affaires. En tant que comptable de l'entreprise, il faut bien que je m'en aille. Mensonge. Tu me prends pour un idiot qui ne comprend pas ce que tu fais? Un voyage d'affaires. Du vendredi au dimanche. Vraiment, Nonier. Victor, si tu n'aimes pas mon job, prends un verre. Mets-y de l'eau. Ajoute de l'acide chlorhydrique. Ensuite, bois-le et meurs. Et laisse-moi vivre en paix. Si tu franchis cette porte, tu reviens dans cette maison avec un acte de divorce. Wow! Et tu es en train de me menacer comme ça? Vraiment? Je suis avec un homme qui me donne tout ce que je veux. Les vêtements de marque, les chaussures, des sacs à main qui coûtent plus cher que ce qui est sur ton misérable compte d'épargne. L'attention, l'amour, le soutien. Je ne fais rien avec un homme qui ne pense pas à moi. Tu m'as demandé de démissionner de mon poste, il m'en a offert un. Tu m'as aussi demandé de gérer ma vieille voiture. Lui, il m'en a acheté une nouvelle. Je peux même continuer à faire la comparaison. Mais tu sais, la question est, comment oses-tu? Comment oses-tu, avec tout ça, penser que tu es celui qui doit demander le divorce? Apprête les papiers, parce qu'à mon retour, tout ce qui me restera, c'est de signer. Quoi? Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu? Tu l'aimes? C'est très intéressant. Ah. Je te sers une bonne coupe de vin. C'est très, très intéressant ça. Tu vas adorer. Ma princesse. Mon amour. Tiens ton verre, chérie. Merci beaucoup.
Santé. Santé. C'est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est doux. Alors quoi? Stop, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai... Qu'est-ce que t'as? Arrête, s'il te plaît. Tu es toute drôle. J'ai un... Tu as un quoi? Tu ne m'as pas encore dit que tu aimais faire l'amour. Est-ce que c'est le cas? Oui. Tu adores ça? Attends. Est-ce que tu es heureuse d'être avec moi? Bien sûr. Tu en es certaine? Approche-toi. S'il te plaît. Je veux... Quoi? Je veux faire quoi? Hein? Attends. Tu veux juste quoi? Hein? Laisse-moi. Oh mon Dieu, Noni, je sais que je vais très bien m'amuser, comme je ne l'ai jamais fait auparavant avec une autre femme aujourd'hui. Tu vas voir de quoi je suis vraiment capable, mon amour. Qu'est-ce que tu as dormi? Tu as très bien dormi. Qu'est-ce que tu es très belle ce matin? Quoi? Tout va bien? Est-ce qu'on a fait l'amour? Oh, mon bébé! On s'est juste embrassé, d'accord? Non, nié. C'était vraiment agréable. Nous nous sommes aimés. C'était juste... C'était une merveilleuse expérience. J'avais peut-être perdu connaissance. J'avais perdu connaissance. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Je ne veux pas que tu te fasses des soucis, Noni. Mon amour, tout va bien. D'accord? Comme tu peux le voir, je suis déjà habillé. Pour aller en ville et ensuite, tu sais que c'est un long week-end. Je vais acheter tout ce dont nous aurons besoin pour tout le week-end. Après quoi, je reviendrai. À toi. Ok? Je ne me souviens de rien du tout. La seule chose dont je me souviens, c'est seulement que tu...
m'embrasser et puis... je... Est-ce que tu as mis quelque chose dans mon verre? Noni. Je veux te dire quelque chose. Redresse-toi. Je dis redresse-toi. Laisse-moi te raconter une histoire. Je connais une femme formidable. Elle était libre. Elle commandait tout seule. Tout marchait très bien pour elle. Elle faisait comme tout bon lui semblait. Même mon propre père ne pouvait l'empêcher. Elle maîtrisait pratiquement tout ce qui était autour d'elle, y compris mon père. Elle a fait ligoter ce pauvre monsieur. Sans pitié. Ensuite, ils l'ont battu copieusement. Ils ont étranglé mon père. Ils l'ont tué. Ils l'ont conduit à une mort prématurée en faisant croire que c'était une crise cardiaque. Et tu sais pourquoi? C'est juste parce qu'il avait marié un monstre plutôt qu'une femme. Et c'est à partir de ce moment, je me suis juré qu'aucune autre femme ne pourra me marcher dessus de quelconque manière que ce soit, ni physiquement, ni émotionnellement, ni sexuellement, encore moins mentalement. Donc lorsque je veux faire l'amour à une femme, je préfère qu'elle soit dans un état d'inconscience. Qu'est-ce que tu comprends? Je me souviens bien maintenant. Tu m'as drogué, Demi. Tu m'as drogué, Demi. C'était juste pour que tu te laisses un peu, rien de plus. Tu n'as pas à avoir peur. Il n'y a rien d'étrange à tout ça. C'est juste normal. Ouais. Dis-moi que ce n'est pas possible. Mais il y a quoi de normal dans ce que tu m'as fait? Oh! Tu penses normal ce comportement? Tu sais quoi? C'est ce que j'aime, bébé. Ce sont ces choses qu'on adore. C'est tout ça qu'on aime, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu t'étonnes? J'ai été violée. Tu m'as violée. Tu m'as déshonoré. Oh non! Je ne t'ai pas violé. Ok? Je ne t'ai pas violé. Tu comprends? Je n'ai rien fait. Je ne t'ai pas du tout violé. J'ai juste... En fait, on a passé un bon moment, toi et moi. On s'est bien amusé, Noni. Oh. Tu sais que je t'aime. Crois-moi, je t'aime vraiment. Tout ce que je veux actuellement... c'est de te rendre heureuse tout le reste de ta vie sur Terre. D'accord? Mon petit cœur. Noni. Est-ce que tu m'aimes? Moi, je t'aime. Je suis sérieux. Et je veux juste que tu le saches. Je t'adore et je suis prêt à te donner tout. Vraiment tout ce qui pourra te rendre la plus heureuse du monde, mon amour. Et je sais que lorsque... lorsqu'il s'agit de faire l'amour à ma femme, je... Je préfère qu'elle soit inconsciente. C'est... Espèce de criminel. C'est comme ça que je me sens heureux, bébé. Alors, ça n'a rien d'étrange. C'est tout à fait normal. Il n'y a absolument rien de normal dans ce que tu as fait. Tu m'as violé. Tu m'as déshonoré. Je ne t'ai pas violé. Et où penses-tu aller comme ça? Réponds-moi! Où est-ce que tu vas? Hein? Tu essaies de me quitter? Je suis complètement dépassée par ce qui se passe. Ça me dépasse vraiment parce que, apparemment, tu n'as même pas utilisé de préservatif. Ha ha ha.
Quoi? Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce que tu allais faire si je n'étais pas réveillée? Si j'étais morte? Non, arrête de raconter n'importe quoi. Tu sais quoi? J'ai mis la dose appropriée. J'ai bien mesuré. Où vas-tu? Hein? Assieds-toi! Pourquoi tu essaies de fuir mon bébé? Non. Pourquoi veux-tu me quitter? Où veux-tu aller? Tu veux me quitter, c'est ça? Lâche-moi, Demi! Pourtant, tu voulais sortir! Non. Hein? Hein? Tu veux me quitter? Non. Je suis désolé. Non, je ne veux pas te quitter. S'il te plaît, ne me quitte pas. Non, je ne veux pas. Non. Ok. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, chérie. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû te le dire. Ça va, ça va. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Je suis vraiment désolé, chérie. Je t'aime, tu sais. Je suis vraiment désolé. Vraiment, vraiment désolé. S'il te plaît, ne me quitte pas. Ça va. D'accord? Ne me quitte pas, mon amour. J'ai pensé que tu allais me quitter comme ça. C'est pourquoi je me suis comporté ainsi. Je suis vraiment désolé. Oui, ça va. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Désolé. Voici la bonne réponse. La somme de 2 plus 2 plus 1 plus 11. 1 plus 1. 2. 2 moins 1. 1. Plus 1. 2. Ok, faisons ce qui est encore plus difficile. 5 plus 1 plus 3 moins 1. Le résultat donne combien? 8. Tu comprends? Oui. 5 plus 2. 7. 5 plus 6 plus 1. 12. 2 moins 2. Ah! Maman! Maman! Comment tu vas, bébé? Viens, maman. Viens. Viens, ma puce. Viens, s'il te plaît. Va m'attendre dans ta chambre, ok? Je te retrouve tout à l'heure, d'accord? Victor? Victor? Ne me touche surtout pas! Victor, je suis sincèrement désolée. Je suis... Tu sais, je ne veux rien entendre, ok? Victor... Laisse-moi tranquille. Victor, pardonne-moi. Victor, il m'a violée. J'étais complètement sans défense. Il ne t'a pas violée, Nonier. Il ne t'a pas violée. Il ne t'a fait que ce qu'il faisait aux petits amis de son passé. Exactement. Une fois, j'ai eu à mentionner le nom de Demi Aderobo au travail avec l'un de mes collègues. J'étais très étonné. Tu sais, je venais juste de commencer ce boulot. Je n'étais pas informé de ce qui se passait. Demi est un véritable casse-tête pour nous tous qui sommes magistrats. Il y a eu 3 cas de violence conjugale pour lesquels il a été accusé. 2 dont sa propre femme défunte a été victime. Il a été accusé pour 5 cas de violence contre 3 femmes. Et nous avons dû payer plusieurs millions de francs pour faire taire les femmes sur ses vices. Donc tu vois, tu n'es que l'une de ces pauvres victimes. Et... tu sais, il y avait quelque chose de très commun chez chacune de ces femmes. L'envie. Ça me fait très mal de savoir que ma propre femme, la mère de mon enfant, l'amour de toute ma vie, puisse se comporter ainsi. Donc tu vois, j'ai vraiment pitié de toi. Pourquoi n'as-tu pas pris le temps de réfléchir avant de le suivre pour son argent? Ok, j'oubliais. Il faut t'arranger à payer ton assistante. Elle n'a pas cessé de m'importuner toute la journée. Tes salons de coiffure et tous les magasins que je t'ai donnés ont été fermés pour de bon. Tu ferais mieux de faire appel à un bon avocat. Parce que j'ai déjà entamé la procédure de divorce. Je l'ai entamée. Et je veux la garde de notre enfant. Tu sais que je peux l'obtenir. Ok? C'est fini entre toi et moi, Nonier. Ok? Tu as détruit ma vie. N'essaie pas de me toucher. Pardon. Pas du tout. Victor, je t'en supplie. Victor.
veux dire, je ne savais pas que c'était du faux. La police a mis la main sur tous les actifs et nous n'avons plus rien. Je ne comprends pas pourquoi ça. Je pensais que vous devriez essayer de les corrompre, n'est-ce pas? C'est ce que font les gens qui sont dans la même situation. Mais financièrement, je pensais que ton mari pouvait se le permettre. Je veux dire, acheter des maisons, des voitures pour toi. Hein? Il en est capable. Nous devons tout faire pour atteindre la victoire. Ce n'est qu'une impasse. Nous sommes censés avancer et non reculer. Ça va, ça va. Je suis vraiment désolée, Zoé. Voici qu'ils nous ont donné 24 heures pour quitter toutes nos maisons. Où est-ce qu'on ira? Que vais-je dire à mes enfants? Où est-ce qu'ils vont tous dormir? Et c'est juste. Essaie de te calmer. Dis-moi, peut-être que c'est pas aussi grave que tu le penses. Il s'agit de combien au juste? 650 millions. Ah. Quoi? Ah. 600 millions? Ah. J'ai mal barré. Ah. J'ai mal barré, ma chérie. En plus, ce qui est inquiétant, il ne m'a pas contactée aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je n'ai aucune nouvelle. J'ai peur qu'il ne doute de moi. Certainement, ça doit être ça. C'est ce que je pense. Non, je suis sûre que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je suis sûre qu'il s'inquiète. Tu sais, il a peut-être peur d'être arrêté. Vu que tout est à son nom. Waouh. Je m'inquiète à tel point que... C'est juste que j'ai peur qu'il doute de moi. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ok, mais non. Accordez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Okay, je reviens. Okay. Essaie de te calmer, Zoé. J'ai vraiment pitié pour elle. Je savais bien que tout cela allait arriver. Tout le monde sait bien que son mari est un trafiquant de drogue. Tout le monde le savait. Que ce soit un trafiquant de drogue, un dealer, peu importe, nous ne devrions pas nous réjouir de ce genre de choses. Elle aime se prendre comme si elle était mieux que tout le monde, à cause de son argent sale. Tu sais, elle devrait s'estimer heureuse. Elle ne se plaint jamais, elle s'en foutait, quoi. Ah. C'est quelle manière de se prendre ça? J'ai remarqué que cette femme ne dit jamais la vérité. Waouh. Bref, comment va ton mari? Tu sais, mon mari me parle beaucoup de lui. Mon mari? Bien sûr, ton mari. Victor? Oui, ton mari. Mon mari connaît bien ton mari depuis des années, je te le dis vraiment. Dès que je lui ai parlé de ton mari, il n'a pu s'empêcher de manifester son enthousiasme. Il a commencé à raconter en détail toute sa vie, comment il était brillant, comme s'il était le meilleur. Mon mari? Bien sûr qu'il s'agit de ton mari. Enfin bref, je voudrais te faire une grosse surprise. Est-ce que tu es occupée le dimanche? Je vous invite à prendre le dîner avec nous. Tu vas enfin connaître mon mari. Il m'a acheté le week-end dernier une très belle robe noire. Une minute, s'il te plaît. Pourquoi tout le monde? Monsieur Thompson. Appelle-moi maître, s'il te plaît. Cela prendra un peu de temps pour s'y habituer. Noyé, s'il te plaît, peux-tu donner un coup de main? Je ne sais pas pourquoi la viande n'est pas prête. Donc, s'il n'y avait pas de servante pour nous aider, cela signifie que tu ne pourrais rien faire dans cette maison, n'est-ce pas? Je t'ai posé une question. Tu viens avec moi maintenant? Merci beaucoup. Adesua, est-ce que tu as un problème avec ton mari? C'est juste qu'il a passé une mauvaise journée. Ne t'inquiète pas pour ça. En es-tu sûre? Parce qu'il a l'air un peu méchant avec toi. Ne t'inquiète pas du tout. Où est-ce que j'ai mis ce truc? Qu'est-ce que tu cherches comme ça? Le courbouillon. Je ne sais pas où tout est passé.
Commençons à chercher ensemble. Regarde bien par là. Ça y est? C'est ta maison après tout. Comment saurais-je où tu mets toutes tes choses? Je suis vraiment confuse. Je ne sais plus. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? Femme! Pourquoi tu nous fais perdre notre temps? Bébé, écoute, s'il te plaît, calme-toi. Non, je te pose une question. Pourquoi tu nous fais perdre notre temps? Hein? Combien de temps dois-je prendre pour te montrer tout ce que tu as à faire dans cette maison? S'il te plaît. Combien de temps te faut-il pour que tu nous apportes cette viande à table? Espèce de femme stérile. Quel genre de femme es-tu? Dis-moi, quel genre de femme es-tu? Je vais te tuer aujourd'hui. Espèce de femme fainéante. Monsieur Thompson, arrêtez ça enfin. Arrêtez ça. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Thompson. Vous ne devez pas brutaliser votre femme de cette manière. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Désolée, ça ira. Point rien, mesdames. Ça fait combien de temps qu'il te traite de cette façon? Depuis la toute première semaine de notre mariage. C'est toujours comme ça. Il t'a blessé au cou. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Écoute, ma copine, si tu veux bien, je te conseille de ramasser tes bagages et de partir d'ici. Comment partir d'ici? C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Avant que je ne le rencontre, je n'avais personne. J'étais une simple, petite fille villageoise égarée, abandonnée seule dans la rue et ne sachant pas qui viendra à mon aide. Tu ne peux vraiment pas comprendre, Noyé. C'est lui qui m'a aidé à tout faire pratiquement. Il m'a fait briller. Il m'a envoyé dans des écoles d'excellence. Je ne peux pas le quitter du tout. Comment? Où aller d'autre? Ce qu'il a fait de mauvais, c'est qu'il me faisait souffrir en envoyant toutes sortes de femmes dans la maison quand et comme bon lui semble. Il va jusqu'à coucher avec ses maîtresses dans le lit conjugal. Wow. Et ce n'est pas tout. Ils dorment dans une autre chambre et m'interdit de dormir avec eux. Je n'ai pas d'autre choix, tu comprends? J'ai juste besoin de son argent. Non, je souffre terriblement. Ça va, calme-toi. Ça va. Bonsoir, monsieur le directeur. Je suis venu vous rendre tout ce que vous m'avez offert. Le téléphone, l'ordinateur portable et la voiture. Tout se trouve dehors. Je n'en ai rien à faire, Noni. Donc tu peux t'en servir. Comme bon te semble. Ou peut-être que tu ne le sais pas. Mais un cadeau ne vaut la peine d'être retourné. Mais moi, j'ai décidé de les ramener. Tu sais, je t'ai appelé. Je t'ai appelé pendant un mois, de manière consécutive. Mais tu ne m'as pas ramené la voiture. Tu n'es pas revenu travailler. J'ai été obligé de te remplacer. Pourquoi? À cause de cette petite incompréhension. Tu oses appeler ça petite? Demi. Tu oses dire petite? Tu m'as violée, Demi. Tu m'as droguée. Et tu m'as fait l'amour sans que je m'en rende compte. Tu oses appeler ça petite? Nous ne sommes pas au théâtre, Nonière. Théâtre? Tu étais déjà dans la disposition et tu étais prête, donc quoi? Tu étais prête à te jeter dans mes bras, à te donner à moi, ou bien tu l'as oublié? Je ne suis pas venue pour ces bêtises. Oh, bien sûr, dégage, sors de mon bureau. Hors de ma vue. Je n'ai même pas besoin de toi
Va te faire voir. Est-ce que tu m'entends? Je n'ai rien à faire avec toi. Tu connais ton ami Zoé. C'est ton ami qui t'a proposé. Viens que je t'explique. J'ai vraiment pitié pour toi, Noni. Sans doute, tu pensais que je voulais une femme pour me faire plaisir. Non. Je cherchais seulement une femme qui allait porter mon enfant, rien d'autre. Et pourquoi tu... Disons que tu cherchais à nuire à ma réputation à travers la ville en pensant que j'allais chuter lamentablement, c'est ça? Et tu sais, sans oublier que nous avons eu de bons moments, alors que tu étais une innocente, mais une femme avide et naïve qui ne sait pas ce qu'elle cherche et qui a un mari, mais ne l'apprécie pas du tout. Zoé. Ah, et je me dis que pourquoi ne pas essayer de tirer? Et tu as été ma cible. Et comme d'habitude... Zoé a osé me faire ça. Tout ce que tu sais de faire, tu n'obtiens vraiment rien. Zoé a osé me faire ça. Et tu sais ce qui est encore intéressant? Oui, Nonie. Je voulais absolument te donner tout ce que tu voulais. J'étais disposé à te donner tout ce que tu veux sans aucun doute. Parce que tu n'avais pas besoin de demander plus. Mais tu étais devenu si... entraîné par tout ce qui est matériel. Par les petites choses. Et regarde comment tu es planté ici, pensant que je finirais par te marier. Et tu penses vraiment que c'est ce genre de femme que je veux, Noni? N'y pense pas. Je cherchais seulement une femme. Pour porter mon enfant. Et à quoi tout cela a-t-il abouti, monsieur le rêveur? 2 mois plus tard, je ne suis pas enceinte. Est-ce que tu es vraiment puissant? Au revoir, monsieur le rêveur. Je prie qu'on ne se rencontre plus jamais. Bienvenue. Comment vas-tu? Je n'ai pas vu ta voiture dehors. Ta nouvelle voiture. J'ai retourné à demi tout ce qu'il m'avait offert. Il y a un visiteur. Qui ça? Hé, hey, maman! Comment vas-tu? Tu ne m'as pas informé que tu allais venir à Lagos. Oh, ce n'est pas du tout nécessaire. Je peux venir quand je veux, ok? Tu as perdu du poids? Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Il ne mange presque rien depuis 2 jours. Ok, ça va. Va prendre une bonne douche. On a plein de choses à se dire, ok? Ok, maman. Voilà un bon fils. Un bon fils. Voyons, Victor, tu sais, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Maman, est-ce qu'elle t'a raconté tout ce qu'elle a fait? Oui, elle m'a tout dit. Elle m'a tout raconté. Et pour l'amour de Dieu, il faut que tu lui pardonnes. Tu vois, elle a beaucoup souffert déjà. Cela fait environ 2 mois maintenant qu'elle m'appelle seulement. Elle m'a dit que la situation est devenue insoutenable. S'il te plaît, donne-lui une seconde chance. S'il te plaît, mon fils. Un autre homme a couché avec ma femme. J'ai du mal à supporter cela. C'est impossible. Laisse-moi te dire, mon fils, nous faisons tous des erreurs. Nous les assumons. Elle nous enseigne. S'il te plaît, pardonne. Victor. J'ai été très orgueilleuse. J'ai été très orgueilleuse. Maintenant, je le reconnais.
Mais maintenant, je reconnais que... tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je passais tout mon temps à me comparer à toutes mes amies. Sans me rendre compte que ma vie était meilleure que les siennes. Je t'ai brisé le cœur. Mais j'en voulais plus. Je n'avais besoin que de toi. C'est toi seule que je veux. Je n'ai pas rempli mes devoirs de femme. Je t'ai terriblement offensée. Si tu m'accordes une seconde chance, je te promets de bien me conduire. Je ne vais plus jamais prendre un faux chemin. Je te promets que je ferai tout ce que tu veux. Et c'est juste de m'accorder une seconde chance, tu veux. Je t'en supplie. Accorde-moi une seconde chance. Je t'en supplie, Victor. Je t'en prie. Pardonne-moi. Accorde-moi une seconde chance. S'il te plaît.